Citroën C3. C'est bien comme ça? Oui. C'est un moteur 1300. 1300. Oui. Je veux dire, tout ce que je sais, c'est 1300 cm3, c'est ça? Ouais. Combien de chevaux? Je sais pas. Il faudrait que je regarde sur mon manuel. Oui, ou sur peut-être que c'est marqué sur ma carte grise. Ouais. C'est sûrement marqué. Oui. Mais je te le dirai après. Je l'ai ouais. Sur moi, de toute façon. Et je l'ai acheté en décembre 2006. Donc on est en 2019. Donc elle a bientôt 13 ans. Et comme je disais à ton papa, j'ai jamais eu de frais sur cette voiture. Et ben nous oui. Parce qu'on a eu la même. Oui. Il n'y avait que des problèmes. Que des problèmes? Mais que... Je roule très peu, hein. J'ai que 66 000 kilomètres. 66 000 km. Oui, donc ça c'est pas beaucoup pour une voiture qui a bientôt 13 ans. Combien de vitesse tu as? Combien de? Vitesse. Vitesse, 5. 5 vitesses. 5 vitesses. Oui. Mais tu vois, il n'y a pas beaucoup d'électronique. Dans la voiture. Non mais c'est rien. C'est rien. Non c'est rien. J'en ai filmé des vieilles qui n'avaient pas de GPS non plus. Ah ben oui. Les récentes qui ont des GPS. Hein. En tout cas, on est bien installé. Oui, c'est vrai. Voilà, alors maintenant on va aller à Corbet. Et on va aller au... On va aller au carouage. D'accord? Parce que les salles, je suis un peu gêné de tout transporter dans une voiture comme ça. De clim, mais j'aime bien d'avoir un toit ouvre. Et chaque fois je prends l'option du toit ouvre. T'as eu quoi comme voiture avant? Alors, j'ai eu une... La première voiture c'était une 2 chevaux. Alors là j'avais automatiquement un toit ouvre. Oui. La deuxième voiture c'était une Golf. J'avais un toit ouvrant et la troisième voiture c'était une Baleno, Suzuki Baleno, et là est-ce que j'avais un toit ouvrant dans ma Suzuki, je me rappelle plus, non je crois pas parce que c'était une voiture de direction, donc j'ai pas eu le choix, j'ai pas pu commander mon toit ouvrant. Ok, voilà. Mais
c'était très agréable parce que même quand le toit est fermé, c'est très clair dans la voiture. Oui, ça. Le problème du tour en France, c'est que ça fait un petit peu de bruit. Carrosse. La Citroën C3. La phase 1, elle nous met du savon. Elle met du savon sur les roues. Elle met du savon sur les roues. Mais ça, elle met du savon sur la voiture. Tu vois, t'as les, tu vois là les bus là, ouais. Devant là. Oh, je chante.
il faut qu'elle attende que le feu soit vert. Puis après, on peut remettre notre corral. D'ailleurs, j'en peux plus. C'est chaud, hein. Voilà, le monsieur va ouvrir la porte, on fait pas. Et il va venir tout frapper. Et moi, je vais aller payer. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc maintenant, on est parti sur Chaumont-Gistoux. Alors, ça va être une route qui est calme. À travers la campagne. Et vous voyez, elle est à l'aise dans le micro. Elle est très à l'aise dans le micro. Cette voiture que les gens ont tendance à rouler vite. Mais on a quand même assez bien de maison.
que... Combien de litres le réservoir? 30... Tu me poses une colle là. 30... Je dirais 35 litres, je crois. 35 litres. 35 litres. Oui, alors... Et ça, je peux te dire, elle consomme un peu beaucoup. Combien? Regarde, marqué là. Elle consomme 7 litres 100. Elle consomme 7 litres 100 kilomètres. Derrière la cam. Ok. La cabine et la caméra. Voilà. Voilà. Et tu rentres par là? Ouais. C'est ça, hein. Je vais vous laisser un peu de place pour que... Non, là ça va. Là ça va. Voilà. Et tu...